Ok, donc je suis François Lasserre, je suis auteur indépendant et formateur et enseignant autour de la nature et en particulier des insectes. Alors c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment peur des insectes et ça c'est un gros avantage. Et je sais à quel point désormais tout le monde est un peu inquiet vis-à-vis des insectes. Du coup, quand je fais une conférence, j'essaye de compiler un peu tous les ressentis que j'ai eus tout au cours de ma carrière, dont le métier de responsable pédagogique à l'Office pour les insectes et leur environnement, l'Association nationale de protection des insectes, où je suis resté un certain nombre d'années, à côtoyer beaucoup de publics, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et tout le monde est un peu démuni face aux insectes, quand même, quel que soit l'âge. Du coup, dans mes conférences, j'essaye de mêler un peu de biologie, mais de façon très simple, un peu d'écologie, la vie des insectes, et puis un peu de philosophie à mon humble niveau, et puis un peu de psychologie aussi, parce que je sais à quel point notre cerveau peut nous tromper, et peut par exemple se souvenir d'événements inconfortables, et on en a, ça arrive avec certains insectes, et de cet événement qui est en fait une anecdote, d'en faire une généralité. Voyez, et donc du coup, on a vite tendance à stigmatiser toute une population d'insectes, comme par exemple des guêpes ou des frelons, en ayant l'impression qu'ils nous veulent tous du mal. Alors qu'en fait, la réalité des chiffres, des probabilités et des statistiques fait qu'en fait, les guêpes et les frelons ne nous embêtent pas vraiment, pas beaucoup en tout cas. En tout cas, pas au point de voir autour de nous, j'ai envie de dire, toute cette violence vis-à-vis par exemple des guêpes quand on détruit un nid de guêpes. Et que finalement, toutes ces réflexions et toutes ces questions que je pose au cours de mes conférences, c'est vraiment une façon de d'inciter à réfléchir plutôt que d'agir spontanément avec nos ressentis. Parce que nos ressentis vis-à-vis des insectes, ils sont plutôt négatifs. Et donc on a souvent tendance à vouloir les tuer, par exemple, ou à ne pas les voir. Et que finalement, si on réfléchit un peu plus, si on se détend un peu, si on connaît un peu mieux nos biais de raisonnement, vis-à-vis des insectes, on peut finalement cohabiter et vivre de façon beaucoup plus zen, d'ailleurs, qu'avant. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux à ne pas avoir peur des insectes. Ça commence quand même. Alors, c'est rare d'avoir peur des papillons, même si j'ai des amis, dont une en particulier, qui a une peur bleue des papillons de nuit. Cela peut faire peur, ou en tout cas, concentrer des névroses, par exemple. En revanche, les autres insectes, s'ils sont sombres, s'ils sont poilus, s'ils sont araignées, alors les araignées ne sont pas des insectes, mais s'ils ont beaucoup de pattes, beaucoup de poils et qu'ils sont sombres, ça, on est quand même peu à les apprécier. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu plus peur des grosses bêtes. Je suis moins à l'aise à côté d'un cheval qu'à côté d'un énorme insecte, aussi gros soit-il, parce que le maximum, c'est quelques centimètres. Et c'est jamais très gros. Et puis surtout, dès qu'on commence à s'intéresser aux insectes, on se rend compte que finalement, les espèces qui pourraient nous embêter sont incroyablement minoritaires. Vraiment, c'est très peu d'espèces peuvent nous embêter. Et au sein de ces espèces, le nombre d'individus qui nous embête réellement, c'est vraiment, ça se compte presque sur les doigts de la main. Donc finalement, sachant tout ça, je suis quand même encore plus détendu qu'avant.